Bonjour à tous, bienvenue dans cette formation Shopify pour les débutants. Quel va être le but de cette formation? Ça va être de montrer aux débutants comment utiliser Shopify et on va passer en revue toutes les options qui existent pour qu'à la fin de cette formation de plusieurs épisodes, vous compreniez absolument tout ce qu'il y a à savoir sur Shopify. Je vais essayer de faire en sorte que les épisodes soient compacts pour que vous ayez un maximum d'informations en le moins de temps possible. Alors on va directement commencer. Qu'est-ce que c'est Shopify déjà? Shopify c'est simplement une application web qui vous permet de créer des boutiques et de vendre facilement à n'importe qui sur internet. L'avantage c'est qu'ils s'occupent de tout ce qui est autour du paiement, du checkout et de la structure du site. Donc en gros vous avez rien à faire si ce n'est à personnaliser votre site. Donc vous avez déjà des modèles qui sont faits de base et vous allez pouvoir vous baser sur ces modèles pour modifier 2-3 choses, rajouter vos produits et commencer à vendre dès que vous le voulez. Pour vous montrer quelques statistiques, Shopify c'est 1,5 milliard de ventes au Black Friday en 2020, ça veut dire presque 11 000 commandes par minute et un volume de presque 800 000 euros par minute. L'avantage avec Shopify c'est que vous avez un support 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour vous aider si vous avez des questions. Et Shopify est aussi l'application web de création de site web la plus optimisée pour le SEO. Donc vous avez tous les outils nécessaires pour optimiser votre SEO dans Shopify. Vous pouvez aussi avoir 14 jours gratuits en passant par le lien juste en dessous, donc c'est un lien affilié. Vu que je refais la promo, je prends ma commission et vous ça vous permet d'avoir 14 jours gratuits pour vous lancer, créer votre boutique et avoir bien le temps de découvrir tout ça. Voilà, maintenant au niveau du sommaire de cette formation, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir tous les settings à connaître, comment créer un produit, comment le paramétrer, on va voir comment faire des collections, comment les afficher dans le menu, etc. On va voir comment gérer vos clients, comment gérer les analytics. Je vais vous donner même des techniques pour voir des analytics qui sont pas souvent utilisés et qui pourtant sont très puissants. On va voir la partie marketing, on va voir les codes promo, les applications, les sales channels. On va voir aussi les thèmes qu'on peut utiliser dans Shopify, donc des thèmes qui sont des templates en fait. On va voir comment faire un blog sur Shopify, comment créer des pages, comment créer des menus de navigation, comment acheter un domaine, comment traiter les commandes, etc., etc., etc. Donc je vous invite à vous abonner si ça vous intéresse de voir la suite. Et je mettrai en description le lien vers la playlist de la formation. Comme ça, vous aurez juste à cliquer sur ce lien et vous pourrez regarder à la suite toutes les vidéos dans la playlist. Si vous voyez cette vidéo quand les épisodes suivants ne sont pas encore sortis, je pense que j'aurai quand même la playlist de créer. Et vous pourrez cliquer sur la cloche en fait pour être notifié des prochains épisodes. Et comme ça, dès que ça sort, vous pouvez directement les regarder. Voilà, n'hésitez pas donc à vous abonner. Moi, je vous dis à dans le prochain épisode.